Excellente journée, Bezat Hachem, dans la joie. On a le mérite de connaître le Tchadik qui s'occupe de nous, qui nous soigne Hachem tous les jours. Alors, euh, <coughs>

Le shiur pour la Refouach Lema du monde, pour la Tzlacha du monde dans sa recherche et ce rapprochement du Tzadik, Vezat Hachem. Et parmi eux, on fait pour le Rabesançon, Tzadi Tzrak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shmoudon Berzala Kohen, Leonatan Ben Yocheveda Kohen, Ariel Ben Mazal, Dan Ben Rosa Ben Amou, Michael Shmuel Ben Sultana, Myriam Lia Batluna. Jeanne Badzoué, Andria Bad Corinne Sarah Batlea Louise, Cynthia, Fulchini, Bat Aline Antoun, Moshe Yehuda ben Alia, Miriam Muriel, Bat Gisèle Simcha, Bet Salel ben Patricia Rachel. Yoshua Shalom Menashe, ben Rachel, Simcha Maïsa Bad Gemara. ערן בן ברויה, חנה ברטשלי בת דוניז, מארי לור בת יוגט, מיכאל בן מרים, מוריס משה בן אסתר קורין, דבורה מרים בת קורין איילה, דוד רפאל בן מסודה הכהן, ויולט אסתר בת ז'אן, יהודה בן סימי, אמרי אהרון בן חיה, מנואל בן רפאל הזוגי, דוד בן דומיניק דבורה, בצלאל בן פטריסיה רחל, אליה בת אניאס, חנה בת חווה אלי בן רחל, חיים בן דינה, יוחנן נחמן בן רחל קורין, שלמה בן אסתר, אסתר בת חסיבה, שרה מרגלית, בת אריאלה, שלמה חיים בן יעל דבורה, אריאלה מלכה, בת חיה, ז'ניה אוגניה, ז'אן כלוד בן שרה, אשר בן שרה, אסתר בת חנה, ראובן חיים בן סולטנה שיראל, אבי אברהם חי בן אודרי דבורה מזל, ריאן מרחן בן מאיר, ירדנה זהבה Batrasiba bero moshe Benchaya, Esther Batsara, Danielle Daniel Ben Françoise Sara, Mike Ben Martin, Raphaël Ben Martin, Mesot Ben Esther, Elisabeth Daniela, Rahim Ben Ruth, Sipora Batraya Camral, Moshe Ben Sipora, Eden Bat Idan Ben Nurit, Dona Badzoara, Yosef Ben Esther, Ava Simcha, Mecha Bat Laura, Aisha, Avram Ben Simi, Nahmad Ben Simcha, Jean-Claude Ben Denise. Pour les Ivougim, pour tous les célibataires, Beza et parmi eux, pour Michael Itzrak, Ben Saadam, Magimazal, Didier Dov, Ben Michel Kaya, Shimon Ben Aliza, Hanna Mazal, Bat Laurence Aliza, Léa Batester, Reuven Khaim Ben Sultana Chirel, Sylvie Batester, liz Bat Batsara Sophie, Evelyn Khava Badonis Hana Bert, Ashley Badenis, Aaron Ben Simchona, Donna et Ruben Ben Patricia. Pour l'élévation de l'âme et le repos de l'âme. De Yehudit Bat Shoshana, Alain Ilan Elbaz, Ari Chupak, Viviane Deborah Bat Shalom Avram Ben Giselle, Marchlou Ben Rose, Reina Bat Marcel, Pilar Bat José Marchlou Ben Shalom, David Ben Shoshana, Aïda, Aïda Bat titu Mir Ben Rina, Ruth Alexandra et Batluna, Bat Patricia. Amen. Merci à vous. Merci à vous. Merci Michael. Dans le sac de Rabbeinu enfermé, Hashem à toi, Alors euh, on continue dans notre Torah 60, dans l'écoute moi On a fini, on a fini euh, l'étude du texte de Rabbeinu. Juste, euh, on va, on va re, recadrer les idées de la Torah. Ensuite, Bézat on commencera demain le kitzur, c'est-à-dire le résumé du, de la Torah 60, qui a été écrit par Abinatan sous l'ordre, à la demande même de Rabenu. C'est Rabenu qui a demandé à Abinatan de d'écrire, de faire le le résumé des Torahs du de, Koutemoran. De, de Et son intention dans ces résumés, c'est de d'affiner l'enseignement de manière à, à, à rester sur principalement sur les conseils sur ce qui peut amener dans l'action. Shalom Albert Bank, Shalom cher Albert Bank. C'est la belle banque. Tu es venu en Oman, Aïe, 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 aïe. Tu es venu en Oman, Ah. Shalom Stéphane, Shalom Stéphane. J'ai parlé un peu avec Michael pour notre venue avec Élico à Bordeaux. On est en train de voir. Et. Ah non, pas, ils ne font pas de stupéfiants. Je vous donne le stupéfiant le numéro un, c'est Rabénon. Il n'y a pas plus grand. Chavoun Tov, Donc, euh, on a lancé la, la Hachem, le projet de, de la tournée de, du 12 au 24 février avec euh, le Cohen et, et voilà, il y a à Bao plusieurs personnes qui ont réagi hein, un petit peu. Et voilà, tous ceux qui veulent donc, notre présence là où ils sont et qui s'adressent au bureau, qui envoient un mail avec leurs coordonnées téléphoniques et leur, euh, leur disponibilité, ce qu'ils peuvent faire. Et, et voilà, Bézant Hachem, on vous contacte et on organise ça et on vous tient au courant, Bézant Hachem. Alors, euh, on avait vu. Donc, le, le, passage de, de, le passage de Rabbi Shimon Bar Yochai de la Bata Rabbi Amar. Rabbi Shimon, il a dit et la saute l'Hachem. Il y a un moment il faut faire pour Hachem. Oui, Michael, je vous dirai les dates selon le, comment on s'organise pour les. Pour le, la semaine, et peut-être on vient Shabbat euh, là-bas, je ne sais pas, on est en train de voir comment, on va, selon l'arrivée les, 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 des demandes, on va voir comment on va, on va gérer ça à Toulouse aussi, ceux qui veulent qu'ils viennent, on viendra à Toulouse aussi s'il y a des gens qui, qui veulent nous accueillir à Toulouse. Alors pourquoi être là à la Hachem Pourquoi maintenant on doit faire pour Hachem Parce que ils ont complètement inversé, complètement euh, dévié la Torah. Alors, et le moment est arrivé. Amen, amen, Madame Lévy, merci beaucoup. Le moment est arrivé pour raconter des, des, des contes des shanim Kadmoniot, de, de de ces années-là, anciennes, c'est-à-dire de raconter les contes les plus anciens qu'il y a eu. Parce qu'on voit dans la réalité, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que Rabenu, il a dit, je vois que les enseignements, ça ne ça, ça suffit pas, c'est-à-dire ça n'arrive pas à vous faire faire chouva. Donc je vais amener ce qu'il y a de, de plus fort. Il n'y a pas plus fort que ça. Il n'y a pas plus haut que ça. Et un peu plus efficace que ça, c'est le, 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 le remède le plus efficace qui existe. Et nous l'a dit, maintenant je vais amener ça, de, de, je vais faire descendre cette chose-là. C'est-à-dire ces contes qui sont en fait la, la, la mémoire la plus ancienne de la vérité. C'est-à-dire c'est la, la mémoire la plus ancienne, c'est-à-dire la plus, la, la plus euh, originale, originelle, elle est originale parce que, parce que ça vient dans un monde comme il est, mais elle est originelle. Comme on voit, euh, comme on voit aussi comme ça dans la Gemara, il y a Rabbi Chia, Rabbi il a dit maintenant si si, si la Torah si la Torah, elle, 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 elle s'oubliait complètement alors qu'est-ce que je ferai alors il, il a dit il aurait été il aurait, fait, il aurait fait la shrita il aurait fait l'abattage d'une de, de, biche et il aurait tanné la peau et il aurait écrit un Sefer Torah lui-même sur cette peau et il aurait, il aurait enseigné à des petits-enfants le, le Aleph dire on voit que, que la réaction de Rabbi Rabiria par rapport à l'oubli de la Torah c'est aller à des choses qui sont, qui sont simples mais qui sont, qui sont pures qui sont la, la racine c'est-à-dire commencer à zéro commencer à zéro en fait le le les les c'est c'est le, le, le zéro du monde c'est-à-dire c'est la c'est la chose la plus infinie qui est donc Rabbi Nachman il a été cherché il a été chercher ça pour pour nous aider d'un côté c'est très c'est très sécurisant parce qu'on voit que il va pas nous laisser puisqu'il a dit il, il, maintenant est arrivé le moment de sortir la chose la plus élevée qui est de, de, la, la chose la plus élevée qui est qui s'appelle les sipurimasiot de shanim kadmoniot, c'est-à-dire maintenant on va commencer à faire sortir amen amen Athanallouh amen amen mon ami amen pour toi et, toi et ton épouse une excellente semaine on va commencer à raconter les sipurimasiot qui sont la, la... La manifestation la, la plus ancienne qui est, c'est-à-dire la plus originelle, la plus parfaite, la plus puissante de tout ce qu'il y a eu comme manifestation de Torah. C'est la chose la plus élevée qui est. Bémet, si on savait un petit peu qu'est-ce que c'est ces purimassiotes, on en ferait tout le temps. On en ferait tout le temps et on, on raconterait tout le temps aux gens, on en parlerait tout le temps, on apprendrait des passages. Et on parlerait aux gens avec des passages des des passages tout près, vous voyez, tout, tout, tout près, tout près, des passages tout près. donc maintenant qui dit michum chez puisque maintenant ils ont complètement tout, tout inversé, tout est inversé. Il n'y a plus du tout aucun endroit où il se trouve quelque chose de palpable par l'imagination, c'est-à-dire qu'on va plus du tout pouvoir imaginer de la vérité, c'est-à-dire que on va plus trouver des gens qui sont des exemples de vérité, on va plus trouver des, des situations qu'on peut nous-mêmes traduire en vérité, c'est-à-dire on est, on est noyé par l'hérésie, on est noyé par l'imagination. Une trompe là aussi dans tous les domaines spirituels de Esther Naomi Bat Freddy Frécha Amen Amen Besant Hashem Besoud Rabbe Shavua Tov Aaron Shavua Tov Maintenant que, que que Rabbeinu a vu que, que le monde est arrivé à à la plus grande inversion qui existe Merci Jean Luc Merci Jean Luc Oui il n'y a pas un mot, il n'y a pas un mot qui n'ait pas une intention, c'est-à-dire qui soit pas profonde et qui qui, qui comme on va le voir, Baisa Tachem. Bonjour, Grand David 51. Voilà, on vit dans l'imagination comme vous dites, ça crée des scénarios de folie, c'est-à-dire c'est, on est dans des, des des, des, on imagine, on imagine tout, tout on imagine plein de choses. Celui-là, il m'a regardé, ça veut dire ça. Il m'a dit ça. Il a fait ça. Il a, et ça parle ça, dans, dans des délires d'imagination. De, cest il y a plus, on, a, on, on est plus tenu par le moindre, par le moindre par la moindre, moindre notion qui soit, qu soit quelque chose de, de de, de conscient, quelque chose de, de, de réfléchi, quelque chose de posé, des valeurs, elles ont été bafouées, toutes les valeurs, tout la valeur familiale, le couple, les, les, les enfants, l'argent, les, 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 la santé, les, tout était tout, bafoué complètement, 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 il n'y a plus de repères du tout, du tout. Maintenant, quand Beno, il a vu ça, quand vous dites au secours, Rabenou, quand à Beno, il a vu ça, il a dit maintenant, est arrivé le moment, on va sortir. Ah ouais, complètement par terre, mademoiselle par... c'est pire que par terre. c'est Tout est complètement manipulé, inversé, euh, des, des, des transgenres partout. Des tri... des, des... Une horreur, une horreur. On est en train de vivre la plus grande horreur du monde, mais il faut rigoler parce que... Il faut rigoler parce que... Parce qu'elle est dans son auto-destruction. Donc il faut rigoler parce qu'elle est en train de sortir tout ce qu'elle a. Et ça va, on, va, on va éclater de rire. Amen, Amen. Il faut rigoler, Mme Fima, parce que sinon, comme vous dites, c'est insupportable. Il faut rire parce que Batisraq, le Yomar Parce que Batisraq, Israq, on rigole, on rigole. Non, c'est à l'époque de Rabbi Nachman, ce pas que c'était comme ça. Il, il, il a vu le, il a vu le, le, le début de la, de la maladie. Il a vu que la maladie a commencé. Maintenant, la maladie, elle se développe, elle se développe. Maintenant, elle est en train de, de battre son plein. J'espère que ça va pas être pire que ça, parce que je ne vois pas. Après, il euh, y, y a des gens qui se marient avec des chiens il y a, y a des trucs qui sont. Il y a, y a tout, tout ce qui est. C'est extraordinaire, c'est un C'était, c'est de la folie. Alors, quand Rabbeinu, il a vu ça, il a compris que, en fait, les 70 aspects de vérité qu'il y a dans le monde, ils sont complètement partis. C'est-à-dire que les gens, ils ont été endormis par l'image. L'image les a endormis. On, on, on les a, comme Rabbenou l'a dit, le Yétiara, maintenant. C'est l'imagination. Ah oui, les attaques, c'est sans arrêt. Mais pour vous, pour, pour vous tranquilliser, M. Frima, j'ai vu Rav à la Vachalan me que on peut mesurer la, 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 le degré de rapprochement de quelqu'un à Rabbeinu par le, les, les attaques qu'il reçoit. Les attaques, c'est. Le, c'est avec ça le thermomètre avec quoi vous, vous pouvez mesurer combien vous êtes proche de Rabbenou. Donc voilà, il y en a qui sont gâtés. C'est parce que ils, ils sont attachés à Rabbenou. C'est normal. C'est l'éveil du monde. Ça attaque. Ma mâche, mes taverses, ma boule. Ah, merci Manrodstrup pour ce que vous m'avez dit pour le, pour le, le zinc. Là, j'ai acheté du zinc. J'ai pris, ben ça m'a fait du bien. Merci beaucoup. Exactement. On rigole non, non il faut rire, il faut rire. Ben il faut rire parce que parce que le chef shamay c'est lui qui est assis dans le ciel, la rigole Il voit tous ces fous là Il rigole, c'est tout. Il, voit, il, voit, c est, c est, il rigole jusqu'où jusqu les gens ils ont été, jusqu'où ils ont été. Voilà, vous devez être très proche comme vous dites. Comme on est très proche, on est attaqué. <laughs> c'est incroyable. Azak, Razak, voilà, il y a de l'humour, pas au Hachem, dans la cordonnerie. C'est ça qu'il faut. Il faut rire, il faut rire. C'est la, la guérison du monde. Il faut rire. Il faut rire de ce monde. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, il pleurait. Je lui ai pourquoi tu pleures Je lui ce monde-là, à dit, il vaut pas la peine que tu pleures sur lui. C'est de l'imagination. Bon, Hachem, après 120 ans, 148 ans, on va aller dans un autre monde extraordinaire et tout. Et maintenant, on a trouvé celui qui, qui va nous amortir notre passage sur Terre. Celui avec qui on va amortir, on va sortir avec une, une grandeur extraordinaire, une préparation merveilleuse pour aller vers, vers les plus grands plaisirs qui ont jamais existé dans l'autre monde, la vision d'Hachem, des choses merveilleuses. Donc, qu'est-ce qu'il y a à pleurer Il y a à pleurer. Mais il faut rire. Il faut rire. Donc, rappelons il, il a amené la chose la plus puissante qui est, c'est la, c'est les six pourrimaillantes, qui sont la Torah sous forme d'image. De la même manière que le Satan, il a sorti la carte qu'il avait de, de, de l'imagination de la 50, de la cinquantième porte de qui est l'imagination, il a sorti le cinéma, il a sorti une image il la sorti ce qui habite plus fort au monde, puisque comme les gens ont dit, il n'y a rien qui parle comme une image, c'est-à-dire l'image, c'est la chose la, la, la plus forte qui est. Alors nous aussi, les, il, faut, il, faut faire le, il faut jubiler, il faut faire jubiler, mais chou là, c'est jubiler, il faut jubiler. Il faut jubiler de voir, de voir cette folie-là, que Baou Hachem, cette folie, elle va détruire tout ce qu'on pouvait penser, qu'on pouvait attribuer à, à tous ces systèmes-là. Tout le, tout le crédit qu'on a pu leur donner, tout ce qu'on a pu accréditer, les prendre au sérieux, les respecter, penser que c'était des gens bien, que, que vraiment ils voulaient le bien de, du peuple ou des choses comme ça. On voit que c'est que des systèmes de destruction, d'exploitation, de, 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 ils sont prêts à tuer des, des millions de gens, le principal, c'est qu'ils gagnent de l'argent, qui dominent, qui dirigent, etc. Tous les masques tombent. C'est une très, très grande rigolade, une, parce que c'est une très grande révélation. Une très grande révélation. N'oubliez pas que le... non, la société ne cherche pas le bien du tout, du tout, pas du tout. On ne va laisser personne, Madame Ovadia. On est là parce qu'on ne va laisser personne. On va faire sortir tout le monde. Ne vous inquiétez pas. On est là pour ça. Rabbeinu il est là pour ça. Pourquoi Rabbeinu ne voulait pas amener le Mashiach il a dit, je peux amener le Mashiach en une seconde, mais je ne vais pas l'amener, parce que je vais faire sortir tout le monde. Vous allez voir, tout le monde, tout le monde va sortir, tout le monde. Il n'y a personne qui va rester derrière. Il n'y a personne. Exactement. Quand vous dites, rendez à César ce qui appartient à César, c'est tout. Rendez à Shem ce qui lui appartient, c'est tout. Arrêtez. Voilà, quelqu'un quelqu qui a envoyé un... Un, un commentaire sur, sur YouTube. Il a dit, Shalom, en vous écoutant, je comprends que seule la Torah est vraie dans un monde de mensonges. Un jour, peut-être, Hachem me permettra de me convertir et de suivre sa Torah. Merci à Rabbenou, merci à vous, Amalek a perdu. Vous entendez? Amalek a perdu. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Amalek, il a perdu. C'est fini. Il faut, il faut être joyeux, il faut être joyeux, faire les conseils de Rabbeinu, être joyeux, parce que Rabbeinu, il a sorti l'arme la plus puissante qui ait jamais existé. Il a sorti Sipur Alors, Sipur c'est l'image, c'est l'image parfaite, c'est l'image de la prophétie. C'est-à-dire, chaque mot du si pour c'est l'image prophétique, c'est une image qui est, qui est vraie, 100%. C'est de la vérité absolue. Elle peut être absolue parce qu'elle est sous forme d'image. Donc, puisque le tihara, il a sorti, il est venu avec la cinquantième porte qui est l'imagination, maintenant, on va sortir la cinquantième porte qui est le jubilé, qui est l'image de g'dusha l'image sainte. C'est-à-dire quand Hachem, il a dit « Faisons l'homme à notre image », Hachem, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc il y a une image qui est une image divine, une, une image d'une de, de, vérité absolue. Cette image-là, c'est les comptes. On ne sait pas, mais, et, Madame Meloul, jusqu'à quand On ne sait pas, ça peut se passer dans la minute qui suit, dans l'heure qui suit. Bah, au Rachem, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut. Il suffit qu'à qu un moment, qu'une qu parole, elle prenne un vêtement. Un vêtement dans le monde qui soit un vêtement adapté, et puis ça y est, elle va enflammer le monde entier. Bien sûr, c'est un moyen de réduire la population. Pourquoi vous, vous croyez qu'ils veulent nous soigner Ils veulent nous soigner de la vie, oui, pour qu'on n'ait plus, qu plus envie de vivre. C'est ça qu'ils veulent nous soigner. Ils veulent nous enlever le goût de la vie. Avec leurs, leurs infos et leurs, 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 leurs inversions de tout. Ils ont tout inversé pour rendre les gens fous. Tout, ils ont inversé. Les hommes, ils les ont inversés. Les femmes, ils les ont inversés. Les enfants, ils les ont inversés. L'argent, ils l'ont inversé. Le manger, ils l'ont inversé. Les vêtements, ils l'ont inversé. Tout est inversé. Tout, 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 tout. Comme Rabbeinu l'avait dit à cet élève-là, un de ses élèves qui était un rave, Rabbeinu lui a dit Rabbeinu lui a dit, quand quand le Rav de la ville, il parle, c'est un, un opposant à Rabbi Nachman, il dit, tout ce qu'il dit, tu dis le contraire. Alors, il est allé, le Rav, et tout ce que l'autre Rav qui était opposant à Rabbi disait au tribunal rabbinique, le Rav Breslev, il disait le contraire. Et il vérifiait, il voyait que c'est lui qui avait raison. Comme ça, chaque fois, il disait le contraire, le contraire, le contraire. Et en fin de compte, il a quitté l'assemblée. La, Merci Aaron, merci, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est ma mâche une merveille. C'est extraordinaire. Vraiment comment il y a des, des révélations qui sont vraiment merveilleuses. Alors benou, il a pris le Voilà. Que, 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 que ma chère va se révéler, comme vous dites. Mais Mashiach, c'est une révélation qui va se faire par une prise de conscience générale. C'est ça le Mashiach. Mashiach, c'est une prise de conscience du monde entier par les si Asiot. Puisque maintenant, il dit que, puisque maintenant, ils ont pris la Torah, ils ont complètement dévié, dé, 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 c'est-à-dire les 70 apparences qui y avait de la vérité. 70, c'est Aïn, c'est Aïn, c'est l'œil, en hébreu, Aïn, c'est l'œil. C'est-à-dire les 70 dix euh, angle de vision qu'il y a dans l'œil, qu'il y a dans l'esprit, ils ont été complètement intoxiqués, complètement intoxiqués, c'est-à-dire vous ne pouvez pas voir clair du tout, du tout dans ce monde. Vous allez rien comprendre à vous-même et vous allez rien comprendre à, à vos à votre entourage et encore moins à, à ceux qui sont un peu plus loin, encore moins de, euh, aux dirigeants qu'il y a dans le monde, à la politique, à tout. Vous comprendrez rien du tout, rien, rien. Toutes les 70 angles de vision, ils sont complètement devenus fous. C'est-à-dire que c'est l'inversion, le délire total. Voilà où on se trouve aujourd'hui. Ça, c'est la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, c'est pas la peine de raisonner qui que ce soit, c'est pas la peine d'essayer de, 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 de calmer qui que ce soit. Il faut prier et faire des sipures et danser et danser et tout. Et il faut prier. Il faut pas demander à Hachem. S'il te plaît, Hachem. Pour favor, please. please Afak, Afak, please Hachem. Bevakasha, s'il te plaît Hachem. On est là, on t'a pas oublié, regarde, on t'a pas oublié. On est là, alors s'il te plaît, s'il te plaît. Et on voit que Baouk Hachem, le tsadi, qui ne va pas lâcher. Aïn et le Yaïn, c'est la même, c'est-à-dire Yaïn aussi, c'est 70. C'est-à-dire que le vin, c'est ce qui fait permettre de, créer, de sortir les secrets. Amen, amen. Il faut tout simplifier, c'est sûr, mais pour simplifier, avoir, il faut avoir de la vitalité. Pour faire des chaussures à trois coins et danser et les embrasser, il faut être plus fou que les fous encore. Il faut être un et l'air de folie totale. C'est-à-dire, il faut être un plus fou que les fous. Parce que si vous êtes normal, vous allez pleurer sur vos chaussures à trois coins. Vous allez voir votre vie, vous allez vous mettre à pleurer. Quelqu'un, voilà, il m'appelait tout à l'heure, il pleurait. J'ai dit, pourquoi tu pleures Pourquoi tu pleures Tu connais Rabenou pourquoi tu pleures Il ne faut pas pleurer, il faut rigoler. Il ne faut pas pleurer, il faut rigoler. Tu vas faire des chaussures à trois coins, c'est-à-dire ce que tu vas faire dans ta vie, c'est complètement de travers, c'est-à-dire tu as des chaussures à trois coins, c'est invendable dans la, dans la norme. C'est invendable dans la norme. Et toi, tu vas les embrasser, ces chaussures, tu vas dire c'est extraordinaire, ma vie elle est extraordinaire. On va te dire, mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire Tu as raté ta vie, regarde, qu'est-ce que c'est Tu es jeté là-bas, tu es truc, ça. Ils ne te veulent pas, ils te méprisent, tu n'as pas si. Et plus ils vont te dire ça, et plus il faut que tu, tu rigoles. Il faut que tu rigoles. Parce que si tu rigoles pas, si tu crois que c'est sérieux, que vraiment tu dois sortir des chaussures, des chaussures genre Adidas super chaussures et tout mais tu vas pleurer toute la journée de désespoir de si tu commences à regarder tes chaussures avec des, 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 des chaussures 3D, mais tu vas pleurer tu vas pleurer, c'est pas 3D c'est trois coins, nous. il faut dire nous c'est pas 3D, c'est les trois coins Ça c'est à... le contraire des 3D Contra... contraire complètement le contraire C'est-à-dire que c'est un tel délire aujourd'hui qu'il faut, il faut ridiculiser, il faut les ridiculiser encore plus. Parce que maintenant, quand vous faites vos chaussures à trois coins, et, et, et maintenant, on vient, vous dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu, tu as fait Regarde l'autre, il a fait ça, l'autre. Regarde regarde des, des, des tchadikim, comment ils étaient, des gens, où tu es toi par rapport à ça Regarde combien de contradictions tu as dans ton comportement. Il faut rigoler, il faut dire c'est pas vrai. Je fais ça de bien. Ce n'est pas vrai. Je gagne. Il prouve qu'il gagne, le cordonnier. Il dit, regarde, je paye le cuir tant, je paye la colle tant, je fais ça, je fais ça. Tu vois que je gagne quelque chose. Pourquoi tu dis que que, que c'est rien, ce que je fais Je gagne, Baou Hachem. Il y a des points positifs. Tu vois, j'arrive à faire ça, j'arrive à faire ça. Quand Rabbeinu, il a dit que quelqu'un qui va faire netilat la qui va se laver les mains avant de manger du pain, à notre époque, c'est ce sera comme le Baal Tov à son époque. Quand on entend ça, on croit que c'est une exagération, mais quand on voit la folie qu'il y a aujourd'hui, chaque point positif, chaque point positif, chaque cours qu'on est là en train d'étudier. Écoutez-moi Anne, aussi pour Massiot, Tracot, Tchikunaklali, Itbo Dedout, voyage à Oman, voilà trente cordonniers qui étaient à Houman, des petits enfants de 5 ans. Ils ont amené des petits enfants de 5 ans qui sont venus chez Rabenou pour Hanouka, traverser tout le, tout, tout, tout le rideau de fer, tout le rideau d'imagination, de, 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 parce qu'il y a rien du tout ici à Ouman. Ben, il y a rien du tout. C'est vrai qu'il envoie des trucs partout, mais à Ouman, il n'y a rien du tout. Il y a que Rabenou. Et il n'y a pas, même là, maintenant, ils ont mis plus d'électricité qu'avant. Au lieu de couper 8 heures par jour, ils ont coupé 6 heures par jour et ils remettent petit à petit l'électricité des gens qui sont venus avec des petits-enfants, des gens qui sont venus de, de France, qui sont venus d'Israël de, de, pour être chez Rabbeinu, Shabbat Ranouka, pour allumer la, la, lumière, la lumière de, de, de Rabbeinu pour le monde ça allume pour le monde, allumer la lumière pour le monde. Et c'est sûr que, que ce dépassement-là, ces efforts qui ont été faits par tout le monde, des efforts avec toutes les inquiétudes dans la maison, quand même, c'est un pays en guerre, tout ça. Malgré tout, malgré que les gens, ils ont là et tout, mais ils ont quand même peur, ils ont envoyé des petits-enfants de 5 ans et tout, d'envoyer son mari, d'envoyer son fils et tout. C'est des épreuves, c'est des épreuves, c'est pas facile. Mais tout ça, tout ça, c'est utilisé pour être optimisé pour la réparation du monde. Amen, Amen, Madame Lévy, Amen, Aslacha. Il faut commencer à, à, à faire de la rééducation mentale. Il faut faire de la rééducation mentale. Il faut se débarrasser de l'hellénisme. Il faut se débarrasser des, des trucs parfaits en 3D, du métaverse, des trucs parfaits en 3D. C'est pas 3D, c'est trois coins. C'est fini la 3D. Nous, on va à trois coins. Nous, on est joyeux de nos chaussures tordues, de, de nos chaussures de travers, parce que dans tout ce travers-là, dans tout ce, ce, ce dans toute cette folie-là, qui, qui, qui est maman de la folie, c'est-à-dire qu'ils nous ont du fou, qu'on qu n'arrive pas à fonctionner normalement, on a envie de faire tellement de choses, on arrive tellement à, à, à rien par rapport à ce qu'on a envie de faire, il faut savoir que les points positifs qu'il y a là, ils ont une valeur. Qui a jamais eu dans le monde. Déjà, le Harisa lui dit qu'aujourd'hui, à son époque, le Harizal, est dit avec une petite bonne action, on peut arriver à être comme euh, avec comme le comme Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui Une petite 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 bonne action, des chaussures à trois coins. Mais il y a quelque chose. C'est quand même des chaussures, elles ont une forme de chaussures, bien qu'elles soient bizarres, elles soient hors normes, mais elles ont des chaussures, elles ont une forme quand même de quelque chose. C'est vendable, ça veut dire ça passe, c'est quelque chose qui passe. Et ça, c'est le chemin pour arriver à être gouverneur, surtout les gouverneurs, c'est-à-dire monter dans les niveaux les plus élevés qui, qui jamais existaient. Comme avant Ben Lachman, il arrivait le cordonnier à voir Hachem, Nevoa, Panim et le Panim. Il arrivait à la, 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 prophétie face à face d'Hachem. Ce, ce qu'on est en train de préparer, ce que là où on est en train de vivre, c'est la, pré la préparation pour la prophétie face à face. À dire justement de, 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 la, de la profondeur, de l'obscurité qu'on est, de l'inversion dans laquelle on se trouve, de la médiocrité de, de, de nos actes et de, 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 de notre vie, c'est ça qui va nous amener à la plus grande perfection qui ait jamais eu dans le monde. Parce qu'il arrive à ne panim pas le panim. Ne voit pas ni le panim, c'est quelque chose de très très élevé. Il n'y a aucun sadique qui est arrivé ça dans le monde. De voir Hachem, de, de, le visage d'Hachem dans ce monde. De voir Hachem partout dans ce monde. De se rendre compte qu'il y a Hachem partout. Voilà à quoi on arrive. Avec les, cha les chaussures à trois coins. Amen, Amen. que de bonnes nouvelles pour vous. Bezat Hashem. Ça va aller de mieux en mieux, Bezat Sachez que maintenant, les, les, et, et, et comme, comme on a dit l'autre jour, faites attention, je pense que Hanouka c'est venu cette parole-là, faites attention, ne jouez pas le, 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 le genre, euh, comment on dit, comment s'appelait ça, je ne sais pas, c'est pas Colette, je ne me rappelle pas comment, ne, ne jouez pas le, le prix de consolation, ne dites pas, c'est de la consolation, ouais, mais quand même, il me reste un petit truc, quand même, bon, c'est pas... Non, c'est pas de la consolation. C'est la... la... merveilleux, c'est pas de la consolation. C'est une lumière, une petite lumière dans une obscurité énorme. Donc cette lumière, elle a une valeur incommensurable une valeur comme l'autre le, le, qui, qui... que toute ça parle à ça, c'est qu'il vendait de la terre, et remplissait des, des, des seaux de terre et il allait les vendre. Et là, il a trouvé un diamant. Quand il a voulu aller vendre le diamant, ils lui ont dit, il n'y a personne qui peut t'acheter ce diamant. Personne. Personne dans le pays n'a les moyens de t'acheter ce diamant. Regardez ce que qu'on trouve en cherchant dans la terre ou quand l'autre il rampe et il, il mange de l'herbe et il trouve un, un diamant. Exactement. L'élite et... voilà, il faut savoir que ces miettes-là, c'est pas des miettes, c'est des diamants qui n'ont pas de prix. C'est ça qu'il faut qu'il faut rentrer dans la tête. Mais comme on est attaqué de partout, ils veulent, ils nous disent tout le contraire, ils nous font de la 3D, des trucs, des parfait, des... même le cinéma, il rentre de, dans le cinéma des, des, des dessins en 3D parce que maintenant, même les acteurs, ça leur suffit pas. Ils sont pas assez parfaits par rapport à ce qu'ils veulent. Ils veulent des formes parfaites, dessinées avec des, des, par des, des artistes dans, dans le 3D, des, des choses. On est entouré que de ça, des emballages parfaits. Des, des, des... Vous achetez quelque chose, un emballage tellement parfait que vous avez même pas envie de, 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 de l'ouvrir pour pas abîmer l'emballage, tellement il est parfait. Vous, vous achetez un iPhone ou un truc, les, les emballages, ils sont... Avec des trucs maths, de rechercher chaque détail. Chaque... Et nous, on se trouve avec des chaussures à trois coins. Ah, merci. Euh, merci, euh, Famille Bech. J'ai vu votre mail, Bezatachem. Et on, va, on va revenir vers vous. On est en train de s'organiser. On attend toutes les propositions. Ensuite, on va s'organiser pour, pour définir le, le trajet, pour que ce ça soit, ça soit un, un trajet qui, qui soit le, le plus rapide possible pour arriver de l'un à l'autre, les Oui, bien sûr. C'est vrai. Hachem, il a dit que, que c'est un peuple de prophètes. De, de, de prophète. Tout à fait. Voilà, tout le monde parle de l'Ukraine. Les... Il y a des gens qui viennent ici. Il y a des gens qui habitent ici. Il y a des gens qui vivent ici. Il se passe ici. Il y a des choses merveilleuses sur le Sion de Il y a de la prière. Il y a des tikkun chatzot. Vous voyez des jeunes. Je voyais cette nuit des jeunes. Si vous les voyez comme ça. Vous pensez que c'est quoi? Des, des, des hippies, des trucs. Et vous les voyez, ils sont là, par terre, à Hatzot, en train de faire tikun Hatzot. Et un, il dit à l'autre, mais tu as fait ça et tout, parce que bon, il faut, il faut faire ça et tout. Avec tellement d'amour pour ça. Tellement. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est tout. Il a dit. Ils ont trouvé un maître qui leur a dit, fais ça, c'est tout. Ah, maintenant, il est habillé comme un hippie et tout. T'occupe pas de ça. T'occupe pas de ça. Il est habillé comme un hippie. Il est en train de faire tikun Hatzot. Il est en train de consoler Hachem sur son monde. Il dit Hachem, coucou, on est là. On t'a pas oublié. On t'a pas oublié. On est là, nous. Regarde, dans l'état où on est, mais on t'a pas oublié. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau au monde? Normalement, dans l'état où on est, on aurait dû tout jeter. Dans l'état où on est, dans un monde helléniste, on aurait dû tout jeter, tout balancer, comme on dit. Et on est là, comme on est. On est venu, on est venu te voir. On est venu te dire qu'on est là et qu'on t'aime, qu'on qu lâche pas et qu'on sait que tu vas, tu vas reconstruire le temple, on sait que tu vas rélibérer le monde, on le sait, on est sûr de ça. Il n'y a pas quelque chose de plus beau au monde. Il a pas plus... Seulement, il faut... Ça demande beaucoup d'emunats, beaucoup de recherches, beaucoup de recherches, beaucoup d'emunats. Mais so, 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 soyez tranquilles, c'est-à-dire que le... c'est réglé. Le monde, Rabbeinu l'a dit, j'ai gagné déjà. Quand Rabbeinu l'a fait descendre le Sipurim asiot, ça y est, il a terminé. Et particulièrement les sept mendiants, ça y est, il a terminé. Ça, ça va incendier le monde. Ça incendie le monde. Pour ça qu'on a décidé de faire cette tournée là des YouTubeurs nomades, essayer d'aller de, de, d'aller vers les gens, d'aller d'aller vers le monde. On ne sait pas, on va vers le monde, si Assiote, Rabbeinu, c'est tout. On va vers le monde avec la solution de l'éveil du monde. Les gens ils vont s'éveiller. Les gens ils vont s'éveiller, les uns après les, les autres. Ils vont entendre, ils vont entendre les Sipurimasiot, si C'est un chant, un chant nouveau, un chant qu'ils n'ont jamais entendu. La mélodie du berger, la mélodie du maître, ils n'ont jamais entendu ça, les gens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Exactement. Alors dites-nous les livres, Madame Azoulay, les, les livres que vous avez besoin dans le sud. Dites les livres que vous avez besoin. On va faire, on va voir ce qu'on peut amener avec nous. Besant Envoyez-nous un mail à contact breslev. Axel, qu'est-ce que je vous dise L'imagination, elle n'a pas de limite. Les gens aussi, ils veulent enlever les rides. Les gens, ils sont malades. S'ils voient qu'ils ont des rides, ça les rend malades. Mais ça les rend malades. Il faut qu'ils soient toujours, ils se tirent la peau. Font... Qu'est-ce que vous avez Ça fait partie, de... c'est Hollywood qui fait ça. C'est Hollywood. Voilà, l'harmonica qui parle, exactement. Les ce que vous voulez. Est ce que vous voulez demander et on essaiera d'amener ce qu'on peut amener avec nous, Bézan HaShem Donc Rabbenou dit, il est venu le moment. It's the time. It's the time. Now it's the time. Pour commencer à raconter les contes. Mitor Kavana la assaute avec l'intention de faire. Oui, oui, euh, famille Betch, oui, Monsieur, et Madame Betch. Est-ce que vous avez besoin? Envoyez-nous un mail et on, on, on fait le maximum. de Bien sûr, on se dépasse pour trois personnes n'est pas les personnes ce C'est pas, pas l'hélénisme. Pourquoi je fais ça Pourquoi je, je peux je peux je peux, je peux faire organiser bon, a organisé des, des conférences à Lyon, il y avait 500 personnes à, à la roquette à Paris. Mais ce que je veux, c'est 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 des gens qui sont qui sont déjà qui sont déjà eux-mêmes allumés. C'est-à-dire pour les renforcer, pour leur donner la force de, de diffuser plus loin, parce que c'est eux le principal. Après, tous les autres, ils vont suivre. Mais les grands cours, c'est-à-dire les grands cours magistraux devant 500 personnes, c'est bien aussi, c'est aussi très bien, ça amène beaucoup de choses. Mais ce n'est pas, pas la même chose. C'est-à-dire il faut aller dans la qualité, dans, dans, dans l'intensité, là où il y a le, le feu déjà qui, qui brûle un peu. Alors, on, comme Rabbi Nathan dit, on prend le, le, le soufflet et on, on, attise, on attise la flamme. Vous êtes où, Madame Melou Vous êtes en Eretz. Si vous êtes en Eretz, alors euh, vous appelez Sarah et, et, et vous voyez avec elle comment vous pouvez les récupérer. On en a beaucoup acheté, on a fait des milliers. C'est tout public, tout public, tout public. Même s'il n'y a pas de mizouza à la porte, <laughs> même s'il n'y a pas, on se déplace partout, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est rabbino, c'est pas. On parlera ben nous aussi, pas, on n'est pas en train de faire des de, 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 de conférences de, de mythologiques. C'est en train de, de parler du, 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 du. Vous êtes encore à Paris, à Paris, je ne sais pas. Mais appelez Rana vous avez son téléphone là. Il y a, il y a son téléphone là, qui passe en, en bande. En, en dessous, je fais exprès de laisser pour que vous puissiez avoir un contact à Paris pour les livres. On n'a pas besoin de Mézouza, on n'a pas besoin de, 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 que les gens soient juifs, on n'a besoin de rien. On a besoin des gens qui cherchent la vérité, c'est tout. Qui cherchent un monde meilleur, c'est tout ce qu'on a besoin. Et Rabbenu, c'est la solution. C'est simple. Rabbenu, il va sortir tout le monde de, du mensonge, il va sortir tout le monde de l'obscurité. On avance, c'est tout. On est là pour ça. Alors maintenant, quand Rabenu, il l'a raconté, c'est pour une c'est Mitour Kavana La saute quest que ça veut dire La saute Ça veut dire que... Ah oui, même en Oman, il fait chaud. La température, elle est montée. Il va faire 12 degrés demain. Là, il fait 5, 6, 7 degrés aujourd'hui. Du soleil, c'est extraordinaire. Voilà, cœur à cœur, comme on vous dit, du cœur à cœur, exactement. Donc maintenant, Rabenou il a raconté les contes pour faire. Vous avez lu aucun aucun ouvrage alors euh, commencez par, euh, par la vie de Rabbi Nachman par la, la vie d'un Schleifer la vie de Rabbi Nachman Ouais, on va réarriver, on va y arriver, c'est sûr, avec toutes les nations, c'est sûr qu'on va arriver. Nation Les, les, les ouvrages y parlent et sont parlants et s'adaptent aux gens. Ce que vous avez lire, ça va vous parler à vous. Alors le, le, la grandeur de Siporiemasiot c'est la sorte, c'est pour nous amener à faire. C'est ça, c'est ça le sipur de, de Siporiemasiot. C'est-à-dire c'est un enseignement qui va nous changer. J'écoute, ma vie change. Ces enseignements ils vont nous changer parce que c'est des enseignements dans lesquels il y a aussi la Torah orale, il y a aussi la Torah écrite qui fusionne. Et c'est les enseignements des, des, premières, des, des premières tables de la loi, quand il euh, y avait complètement, ça transformait le monde complètement. C'est-à-dire, les enseignements, ils ont, les super assiotes, ils peuvent faire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est actif. C'est pas un enseignement intellectuel, c'est un enseignement qui agit dans la personne les pour amener la révélation de la crainte, c'est-à-dire voir Hachem, craindre Hachem, était émerveillé par la grandeur d'Hachem. C'est-à-dire le message qui, qui va passer à travers la forme des contes, c'est un message qui va, tirer, qui va venir toucher notre cœur directement, comme une mélodie où il n'y a pas à réfléchir. Vous pouvez pas expliquer à quelqu'un, pourquoi cette mélodie, elle vous donne envie de danser Pourquoi cette mélodie, elle vous console Pourquoi cette mélodie, elle vous donne l'espoir C'est inexplicable. C'est une mélodie que votre cœur ressent. C'est tout. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Alors, le cyprinasiote, c'est la mélodie, la mélodie de l'esprit. C'est-à-dire, c'est une mélodie qui vient dans l'esprit en forme d'image et qui va réveiller le cœur. Exactement, exactement. Petit à petit, on se rapproche de nous-mêmes. Vous appelez, vous appelez Hana, vous avez le, le, le livre de téléphone de, de Hana qui passe là en, 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 en dessous. Appelez-la, elle, elle, elle a tous les livres euh, à Paris et vous, elle vous envoie. Amen, Amen, Thomas. Amen, des chaussures à trois quarts exactement pour entrer dans le troisième temple. Hazak, je n'avais même pas fait la. Mais pour Hazak la, pour, pour, pour l'association la, 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 de ces deux idées, c'est sûr. C'est sûr, c'est extraordinaire, merveilleux ce que vous dites. Les, les chaussures à trois coins, c'est le troisième temple. C'est ça le troisième temple. Qu'est-ce qu'il dit Hachem Troisième temple, vous ne faites rien. Je ne veux pas que vous fassiez. Oui, les premières tables ont été cassées. Hachem, qu'est-ce qu'il dit Troisième temple, c'est moi qui le fais. Vous ne faites rien. Parce que vous allez me faire encore un temple d'héléniste. Vous, vous faites rien. Vous ne faites rien. Faire, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Vous ne faites rien, c'est tout. Le troisième temps, vous ne le toucherez pas. Vous ne faites pas une pierre. Je vais le descendre tout près. C'est tout. Vous, je vous demande de vouloir. Je vous demande de vouloir. Montrez-moi que vous voulez, c'est tout. Vous n'êtes pas des hellénistes. Montrez-moi que vous ne cherchez pas à vous construire, vous, à vous faire une place au soleil. Montrez-moi que vous ne cherchez pas à construire votre honneur et votre, votre ego. Montrez-moi ça, que ce que vous voulez, c'est une maison pour moi, pas pour vous. Montrez-moi que ce que vous voulez construire, c'est pour moi. C'est tout. Et moi, je construis, pas vous. Je ne veux pas de, trace de de votre ego dans le troisième temple. C'est pour ça que c'est des chaussures à trois coins. Parce qu'on a des chaussures à trois coins, c'est le contraire de l'ego. C'est honteux. C'est honteux. Quelqu'un qui fait des chaussures à trois coins, c'est un handicapé mental. C'est quelqu'un, il, 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 il a appris trois ans un métier, il n'est même pas capable de faire des chaussures normales. Il fait des chaussures qui ne sont pas normales. Mais c'est joyeux. Pourquoi sois joyeux Parce que ça, c'est tellement anormal que ça ne peut être que sincère. C'est tellement anormal que ça ne peut être que vrai. Ça y est, on est sorti des normes. Il n'y a personne qui va nous donner un diplôme. Il n'y a personne qui va nous donner une médaille. Il n'y a plus de médaille. Il n'y a plus de diplôme. Y a plus... On ne va pas recevoir les le prix de la, de, je sais pas, les, les, Goncourt ou le, les, les prix des, tous ces prix-là qui sont donnés à des gens complètement à l'envers. Mais quand on voit qui donne les prix, vraiment, euh, vraiment les plus grands assassins, ils leur donnent les prix de la paix, les, 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 les plus grands fous leur donnent les, 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 les prix de, de, de l'intelligence ou je sais pas quoi. Mais c'est toujours ces trucs-là, c'est vraiment les, les lénismes, vraiment à se plier de rire. C'est vraiment d'une folie totale. Mais quand, quand on fait nos chaussures à trois coins. Qu'on embrasse les chaussures à trois qu'on est content de notre vie comme, comme elle est, parce qu'elle est extraordinaire. Pourquoi elle est extraordinaire Parce qu'on a connu Rabbinu. C'est pour ça que c'est extraordinaire. Et, et maintenant, c'est valorisé. Chaque petite chose, elle est une valeur, mais extraordinaire. Chaque klali, chaque regard vers le ciel, chaque soupir vers Hachem, chaque idbo chaque ratzot, chaque voyage à Ouman, c'est une valeur extraordinaire. Chaque transmission qu'on fait, chaque, chaque fois qu'on qu 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 réconforte quelqu'un, qu'on essaie de l'encourager, qu'on essaie de lui transmettre une parole de vérité, ça a une dimension qu'on n'a jamais eue dans le monde. Mais ça, c'est une merveille. Je ne connais pas la rose de Montvalsan, euh, Didier Mimouni, je suis désolé. Je suis désolé, je ne très... connais pas beaucoup de choses dans, dans, le... dans le monde intellectuel. Vous comprenez, Ben nous l'a dit, je vais, je vais amener un enseignement qui va faire être la sotte. Cet enseignement, il va faire. Comme c'est écrit, Hachem, il a dit, je vais faire en sorte que vous allez faire mon raton. Je vais faire en sorte. Quelqu'un m'a Ah, c'est un lieu en France, c'est un endroit. Ah, excusez-moi, je ne connaissais pas. Ah, c'est dans la Haute-Savoie. vous voyez, j'étais en Haute-Savoie. On, on a fait des doutes. On en a fait des des Doutes en Haute-Savoie. Mais je ne connais pas cet endroit-là. Rabbenou, il a fait en sorte ce que, de, ce, que, ce que Hachem a dit, je vais faire en sorte que vous allez faire. Quelqu'un m'a demandé justement ce matin, ils étaient en train d'étudier, il a dit, mais est-ce qu'il faut que la personne, elle, elle, elle veuille faire pour que, pour que le qui vienne? Non, voilà, il te dit, je vais faire en sorte que tu vas vouloir. Je vais faire en sorte que tu vas vouloir. Même si tu veux pas, je vais faire en sorte que tu vas vouloir. Je vais te faire rencontrer des gens, je vais te faire rencontrer des paroles, je vais te ren faire rencontrer des enseignements qui vont réveiller ton vouloir. Toi, tu vas chercher une chose et tu vas trouver autre chose. Comme Yosef, il leur a dit, vous, vous voulez faire du mal Regardez ce que vous avez fait, c'est vous qui m'avez construit. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On passe des, des situations dans notre vie qui sont inversées, mais ces situations inversées elles vont nous amener à, 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 à Yosef. Ces situations inversées, mais c'est quoi les trucs? Ils ne me considèrent pas, ils ne m'aiment pas, ils ne s'occupent pas de moi, ils ne font pas ça et trucs et dans mon travail. Tout le monde me jette là où je suis, me persécute là où je ne suis pas bien. Personne ne, 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 ne me sourit, personne ne, ne m'aime pas. Un mot gentil, pas une attention, pas un truc. Pas, rien, rien ne va plus. Faites vos jeux. Rien ne va plus. OK, ça. C'est ça, ça le chemin pour arriver chez Joseph. Il dit Voilà, vous, vous pensiez faire du mal. Hachem, eh ben, il a tout, tout, tout manipulé, tout manigancé. Vous, vous croyez faire du mal, il vous a utilisé. Il vous a utilisé. Lavane, il croyait faire du mal, il a donné à Yaakov il a, et Léa. Il a, je t'ai bien eu, hein je t'ai donné d'abord Léa. Après, tu prendras Rachel, mais d'abord, je te donne Léa. D'abord, je te donne la femme de Esav, qui n'a pas voulu être la femme de Esav. Je vais te donner cette femme-là qui n'est pas à sa place, qui, qui fuit son identité, qui fuit ce qu'elle est, qu'elle est destinée à ça. Elle fuit ça. Voilà ce que je vais te donner. Et il ne savait pas qu'en faisant ça, il a amené le tikun du Hollam. C'est comme ça qu'il a réparé le monde. Il ne savait pas. Hachem, il l'a utilisé. Hachem, il utilise le mal pour pouvoir nous transmettre le bien dont on n'est pas conscient. Je vous répète, Hachem, il utilise le mal pour nous transmettre le bien dont on n'est pas conscient. C'est-à-dire que si on venait à l'étalage du, du magasin, à la vitrine, on reconnaîtrait pas le bien dans l'état où on est. corps, vous ne pouvez pas reconnaître la grandeur de Léa. Vous pouvez pas. C'est trop haut pour lui. Trop élevé, trop beau, trop grand, trop profond. Il pouvait pas. Donc Hachem, il a utilisé la vanne. Il a embrouillé la vanne. Il a embrouillé la vanne. Pour, pour donner le, la vérité donc dans notre vie c'est la même chose HM nous transmet des choses qui sont des choses essentielles des choses extraordinaires mais par des inversions c'est à dire ça vient de façon complètement inversée comme ce Bresleveur là qui est venu une fois chez un bouquiniste et il lisait, il passait les livres à un moment il a vu un l'écouter Moharan à l'époque il n'était pas breslev il n'était même pas religieux rien du tout alors, le vendeur de livres qui était un opposant, qui était un religieux, mais un opposant à quand il a vu prendre du Goûter Moirane, il lui a dit Mais c'est pas bien ça, faut pas prendre ce livre, ce n'est pas bien du tout, je te conseille pas du tout. Il y a plein de livres là intéressants, mais ça, c'est vraiment, il faut pas s'approcher de ça, ce n'est pas bien du tout. Mais il lui a dit Mais moi, je cherche que des choses pas bien, tu comprends pas C'est ce que je cherche dans ma vie. Je fais que chercher des pourritures, des poubelles. Je m'alimente de poubelles, c'est ça que j'aime. J'aime ce qui n'est pas bien. Tu comprends pas Donc, tu m'as indiqué le livre que je dois acheter. Donc, il a acheté, l'écoutez-moi, hein, et il a fait chouba. Exactement. Albert Banque, exactement. Paro nous rapproche. Paro nous rapproche. On croit que Paro écrive, c'est écrit dans la ton. Paro écrive. Ah oui, il nous a rapprochés d'Hachem. Avec tout ce qu'il nous a fait, en fait, c'est lui qui a permis qu'on ait qu 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 la Torah. C est pas, c est pas de son, il n'est pas conscient, lui il voulait faire du mal. Mais Hachem, il utilise tout. Trop élevé, Léa, pour Yaakov. Trop élevé pour qu'il la reconnaisse, pour qu'il arrive à l'aimer. Il ne pouvait pas l'aimer. Parce que, parce que Léa, c'est Alma de Kassia. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne voit pas. Il ne pouvait pas voir qui c'était Léa. Il ne pouvait pas voir. Impossible. Impossible de voir Léa. Oh là, Léa, c'est m'a dit Cassia, c'est le monde caché. Impossible de la voir. Donc, impossible d'aimer. Trop élevé pour lui. Léa, elle représente la émouna, elle représente la prière. Elle représente. David Ameller représente des choses qui sont trop trop élevées pour le monde. Aussi par son physique, partout. Elle pleurait tout le temps. Elle avait des yeux larmoyants, toujours à pleurnicher. Elle était toujours en terre pleurée. Elle ne pouvait pas la voir. Mais Léa, elle est enterrée avec Yaakov. Et Rachel, non. Et Léa, elle est enterrée avec Yaakov. Donc, Rabben nous dit, c est, est arrivé le, le moment de raconter des contes qui sont de Shanim des an, des années anciennes, les plus élevées dans le temps, avec l'intention de faire « les ville les les Letikun madrigatatik » Donc pour arriver à la révélation de la crainte, c'est-à-dire de, de voir. Quand on voit, alors ça donne tout de suite la crainte. On est impressionné. On voit la grandeur d'Hachem, on est impressionné. Donc les contes, c'est les, les la vision d'Hachem. Les contes, c'est la vision, c'est la prophétie, c'est la vision d'Hachem. Ça donne de la crainte. Quand on de la crainte, on voit la grandeur d'Hachem à travers les contes. Pas avec notre cerveau. Notre cerveau, il ne peut rien comprendre. Bah, Hachem, heureusement, notre cerveau ne peut rien comprendre au contes. C'est juste notre cœur. Il voit des, des images, il ressent des choses extraordinaires. Et dans ces enseignements des contes, il y a tous les enseignements du monde. Absolument tout se trouve là. Tout se trouve là. Ben, si vous voulez, le problème il a été réglé, comme il dit le Zohar, c'est que Jacob qui a fait ce travail-là. Mais après, c'est terminé. C'est-à-dire que dans chaque femme, elle inclut Léa et Rachel en elle. Elle a les deux parties en elle. Elle a une partie Rachel et une partie Léa. Seulement, il ne faut pas se tromper. La partie Léa, elle ne se révélera que s'il y a une recherche sincère du mari. Si, si le mari cherche sincèrement Hachem, alors, il va voir dans sa femme le côté de Léa, le côté profond, le côté qui est complètement caché à l'apparence. Mais s'il cherche le, 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 le fonctionnement, s'il cherche le côté, le côté hélénique, même dans la Torah, s'il cherche le côté hélénique chez sa femme, il ne se rendra pas compte du côté de Léa qu'il y a dans sa femme. Pour voir le, pour voir le côté Léa qu'il y a dans sa femme, il faut chercher beaucoup. Et à ce moment-là, tu découvres que dans ton épouse, il y a un côté que tu n'as jamais, jamais vu et qui est le côté le plus profond. Et que l'autre, c'est un côté révélé, mais qui est beaucoup moins profond que l'autre. Mais il apparaît toujours sur quelque chose qui n'est pas, en général, agréable à la vue. Exactement, caché, caché. Razak, Razak. Je ne sais pas, je connais pas les guilgoulim, je ne sais pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. À être agacement, J'ai pas, j'ai pas écouté ton message. tu m'excuses, C'est un petit peu, un petit peu débordé là, en ce moment. Mais Bézant on y arrive. Voilà, les amis. Merci de votre présence pour le cours de Rabbeinu. Rabbeinu nous envoie tous les jours des diamants. Quelle merveille. C'est une merveille. Vous dites rien. Il sera le jour de jeudi, mais le premier shiur live, il aura lieu une Shabbat à 4h du matin, Amen, amen, Sabine. Amen. Pour vous aussi, que des bonnes nouvelles. Si un rabbi dit que d'Irnana, c'est d'azara, on répond rien du tout. On continue notre route. Vous allez rencontrer des, des, des géants. Vous allez rencontrer beaucoup de géants. Léa, c'est une, une vérité profonde. C'est pas une vérité hellénique Il n'y a aucune apparence. C'est que des gens qui cherchent à émettre les Amito. Rachel, c'est émettre. Émettre les amito, c'est autre chose. C'est autre chose complètement. Mais si, si vous ne cherchez pas à émettre les amito, vous n'allez pas trouver. Parce que c'est caché. Justement, c'est caché. C'est caché. Ben, c'est normal qu'ils fassent des têtes d'enterrement, Axel, parce que ça enterre toute la, la bêtise du monde. C'est normal. Parce que c'est la fin de la bêtise. C'est la mort de la bêtise. Les gens, ils sont attachés à leur bêtise. Alors, ils, ils pleurent. Ça les, quand vous leur enlevez les jouets les, ils, ils pleurent, ils sont en train de jouer vous allez les réveiller, ça les dérange c'est normal, mais c'est pas grave ça va passer après Amen, Amen Madame Mélou. que de bonnes nouvelles pour, pour vous Bézatachem. voilà, trois géants aussi par rapport aux chaussures à trois coeurs on retrouve, chaque un de ces géants il a attaqué un, un côté de la de la, des, des, des chaussures c'était fait pour ça ah, mettre les amitos, c'est tranchant. Il n'y a plus de, <laughs> il y a plus le choix, c'est fini. Quand Rabéno, Rabé il demande à Rabéno, quand il dit c'est bien, il dit ben, c'est bien et tout. Après, mais est-ce que mettre mettre l'amito, c'est bien? Ben mettre l'amito, c'est ben, la pas bien du tout. Ça y est, c'est fini, ça tranche. C'est terminé. Exactement, Albert Bang. Voilà, on a parlé ensemble pratiquement. Ah, Ashen no matter Felkenno, O man I am your Alenno, Ashen no matter Felkenno, O man I am your Alenno, Ashen no matter Felkenno, O man I am your Alenno, Ashen no matter Felkeno, Man I am your Alenno, Ashen no matter O O Alors, je ne suis pas un grand rave, Christian. Quand je ne suis pas un rave du tout. Mais... <laughs> mais bon, les gens, ça me fait plaisir de m'appeler comme ça. Mais je ne suis pas un rave. Je suis un, un coordonné qui se bat tous les jours. Je ne suis pas un rave. Je suis un coordonné à trois coins. Et, mais ben, c'est beau Rabbenou, c'est tellement beau que que, que de connaître Rabbenou, ça donne envie de vivre, c'est tout. Au-delà de, de, de la médiocrité de ce qu'on peut être. Amen, amen. Que les portes d'Oumane s'ouvrent, merci à Docteur Vita. Okay. vous voulez me considérer comme un... vous allez dedans, mais moi je suis pas un grand je peux vous dire. al Bezatachem, qu'on arrive jusqu'à là-bas, on va verser en plusieurs étapes. On ne peut pas faire toute la, toute la France d'un coup, mais on va faire en plusieurs fois. À chaque fois, on fera deux semaines, benz'attachem, blineder, d'air, Hachem, nous donne la force. C'est un grand projet qui qu'on ait la protection, la bénédiction de Rabbenou, Bonne journée, les amis, portez-vous bien. On avance. Rabinatan, demain soir, Rabinatan, Demain soir, de Rabinatan. J'espère qu'il y aura de l'Internet là-bas, qu'on pourra faire un petit live. D'habitude, il n'y a jamais de connexion là-bas. Je ne sais pas, ils ont pas de... il n'y a pas d'antenne là-bas à Breslev. Mais c'est Léa, c'est Prinat Léa dans l'Internet.